Ora viva, projeto Grandes Livros de Regresso, hoje dois clássicos do filósofo francês Raymond Aron, que escreveu como teórico de relações internacionais Paix et Guerre entre les Nations, clássico que é estudado nas faculdades de Política Internacional e Relações Internacionais e nas academias militares. Raymond Aron era também teórico e especialista de Clausewitz, o grande estratégo e general militar alemão. Clausewitz escreveu, como sabem, da guerra, Vom Krieg. Raymond Aron escreveu como comentador e especialista de Clausewitz dois livros, Pensée la guerre, Clausewitz. Vou-vos ler extratos do primeiro volume, capítulo 3, Le débat stratégique. Clausewitz semble donner à la formule double espèce de guerre, distinction par rapport à la fin visée, celle-ci comportant ou non le renversement de l'ennemi. Si le vaincu gît à terre, le vainqueur dicte les conditions de la paix. Si aucun des adversaires n'a réduit l'autre à l'impuissance, tous deux doivent négocier. Les situations abstraitement définies prennent historiquement des caractères variés de telle sorte qu'entre le désarmement du vaincu et la partie nulle des multiples formes intermédiaires se manifestent. Le système conceptuel, le chapitre 1 du livre 1, l'emporte sur le reste du livre par la rigueur de l'analyse, par la perfection de la forme. Il me permet d'imaginer ce qu'eût été l'ouvrage si l'écrivain avait poursuivi son travail quelques années de plus. Il témoigne, dernier état, d'une pensée jusqu'au bout, en quête d'elle-même. Or, par bonne chance, il révèle l'appareil conceptuel tout entier qui structure la théorie. Pour l'essentiel, ce chapitre va d'une définition de la guerre en deux termes. La guerre est un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté, à une définition en trois termes, étrange trinité composée de la violence originelle, de son élément qu'il faut considérer comme une pulsion naturelle aveugle, du jeu de la probabilité et du hasard qui en font une libre activité de l'âme et de l'étude subordonnée d'un instrument politique par quoi elle ressortit torture entendement. À chacune des étapes du chemin qui conduit de la définition originelle à la définition trinitaire, de nouveaux concepts clés enrichissent l'analyse. La définition initiale se déduit d'une comparaison entre la guerre et le duel, au sens d'une lutte à deux. Le lecteur doit se représenter deux lutteurs aux prises dont chacun essaie de jeter l'autre par terre. Le terme de Niederwerfen garde ici son sens original, physique, et de le rendre incapable de prolonger la résistance. Cette définition utilise les trois concepts. Il n'y a pas de violence morale en dehors du concept de l'État et de la loi. Clausewitz, à la différence des auteurs modernes, postule au point de départ une opposition radicale entre guerre
et paix. Il postule également ce qui a échappé à beaucoup d'interprètes, que la fin de la guerre soit la paix. Quelle paix ? Réservons la réponse comme le fait Clausewitz lui-même. La fin immédiate, l'objectif immanent à la guerre elle-même en tant qu'acte de violence, c'est de désarmer l'ennemi. Désarmer équivaut dans la lutte entre États à jeter par terre pour les lutteurs. Dans l'un ou l'autre cas, un des adversaires lutteurs ou État se trouve incapable de poursuivre la lutte. Comme l'État s'est armé des inventions et des arts et des sciences pour mener la lutte, tomber en état, c'est le désarmer. Stratouche, du premier volume de Penser à guerre, Clausewitz, du philosophe français Raymond Aron, dans la continuité de notre projet. Grandes livres, gratos pour l'attention dispensable. Até a próxima.